Eh bien, bonjour à tous. Me revoilà après un petit silence. Je vais ce soir, avec l'auto de la patronne, faire un petit trajet de tracteur. Comme le course-play évolue gentiment, je vais vider ici un silo pour vous montrer deux, trois petits trucs. Je vais donc aujourd'hui utiliser le grain pour le décharger dans le petit hangar au sol. Mais pour le test, je commence tout de suite avec cette bagnole ici. Alors, il suffit d'aller la positionner au départ. Alors ici, tout simplement, je commence mon trajet. Alors, il faut penser que le tracteur est une remorque, petite ou grande. Hein. Il faut faire peut-être le trajet un peu plus long. Voilà, on va venir jusqu'ici. Ici, je vais mettre la marche arrière et je vais reculer au milieu de mon hangar. Et là, je vais jusqu'au fond. Bien plus pratique de reculer avec une bagnole qu'avec tracteur et remorque. Voilà, ici je suis arrivé au fond. Je décharge et je remets une marche avant. Et là, je suis les traces que j'ai au sol. Très important parce que le tracteur se trouvera environ par ici. Voilà. Et là, je retourne à mon silo pour faire le plein. Voilà, je m'arrête un petit peu avant. Le course-play fera le reste. Ce trajet, je vais l'enregistrer. Voilà, le trajet 123. Et j'efface tout. Je prends mon tracteur. À celui-ci, je lui dis charger au démarrage. On va lui mettre le trajet dedans, mon trajet 123, et on va lancer ça. Et on constate ici le nombre de tours à effectuer. Ici, on va mettre par exemple 4 remorques. Pour le moment, il a fait 0 trajet. Quand il en aura fait 4, il s'arrêtera. Ça marche aussi si vous partez du champ. Alors, la petite nouveauté aussi, c'est que longtemps, on pouvait à peine décharger une, voire deux remorques quand elle n'était pas trop grande. Maintenant, comme je vous ai dit au départ, le course-play a un peu évolué. Alors, vous verrez comment ça travaille. Ici, ça nous donne le milieu du tas. Donc, il a reculé le maximum. Petite remorque, ça se décharge facilement. Et vous verrez comment ça fonctionne vers les suivantes. Déjà passé à un voyage. Quand il sera plein, ça mettra deuxième voyage.
Voilà, on voit qu'il a fait les quatre voyages. La prochaine fois, avant le silo, il devrait s'arrêter. Terminer son travail. Je vais encore maintenant passer à autre chose. Et là, on va essayer avec beaucoup plus gros, toujours le même trajet. Donc, chargement au démarrage. Ici, je reprends mon trajet 123. Et je lance. Et là, on va y mettre deux voyages. Là aussi, on a mis deux voyages. Il devrait donc s'arrêter. Et bien voilà ce qu'on peut faire avec ces nouveautés. Demain, je vous ferai un tuto, mais au lieu de vous mettre du grain, je vous mettrai des betteraves. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!